Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, aujourd'hui, on a reçu un colis de notre Nini. Christine est à mes côtés. Bonjour les amis. Et donc, nous allons découvrir tout ça. En fait, le couffin, il est pour Christine. Alors, c'est un petit couffin, vous voyez, tout en osier. Vous le verrez mieux après parce qu'en fait, Nini l'a rempli à ras-bord de trucs. On ne sait pas trop ce qu'il y a. Alors, d'après elle, elle n'a pas mis grand-chose. Alors, comme j'ai dit, on n'a pas la même notion du grand-chose. Vous voyez, non, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a rien, hein, finalement. Sacré Nini. Bon, par quoi on attaque? Par les deux petits trucs? Voilà. Alors, vous allez rire, regardez. Alors, vous avez... Elle vous a écrit, donc, deux petits paquets avec une lettre. Pour Dame Christine. C'est très mignon. La noblesse. La noblesse, attention. On va le voir. Très cher. Sandrine. Bon, on sait déjà ce que c'est, hein, parce que regardez, il y a la couleur violine, donc ça peut être que des chocolats. Ouais, alors moi qui fais l'examen, là, normalement, je ne dois pas trop en manger, le chocolat. Bon, ben, je ne sais pas, je verrai avec mon mari. Hein. Mais là, c'est pour Christine, pas pour moi. Tiens, ma Gris. Allez. On va l'ouvrir, on montrera. Il est où maintenant que j'en ai fait? Il est là. Ouh là là, ça y est, je perds la boue. Et il y en a un, Dame Sandrine, c'est trop mignon. La noblesse. Elle est marrante parce que regarde le détail. Attends, vous voyez, regardez bien les couleurs des enveloppes. Christine, elle adore le bleu. Et moi, j'adore le rose. Elle a pensé à ça, quoi. Tout dans le détail. C'est pas beau, ça, mesdames? Je vous jure. Alors ça, c'est une petite... Oh, je ne sais pas ce que c'est. C'est tout, machin. Tout... Tu sens toi aussi un truc? Attends. Moi, je sens rien du tout pour l'instant. Je sens rien du tout. Alors, attends. Ça y est, je ne sais plus. Bon, ben, on va déchirer l'enveloppe. Hein. Oh, c'est mignon. Welcome, little girl. Sandrine. Attendez, je regarde s'il n'y a pas des trucs. Regardez comme c'est mignon. C'est pas mignon, ça? Non, moi, c'est scotché de partout. Alors, je vais vous lire ce qu'elle me dit. Je vais déchirer. Oui, bon, c'est pas grave. De toute façon, on va pas le garder, le papier. Non, mais c'est scotché. Regarde, alors, ça, voici ce qu'elle me dit. Coucou, ma petite Sandrine. Alors... Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Bon, ça, elle parle en fait des ventes et... enfin, voilà, bref. Voici quelques petites bricoles. Oui. Bon, on n'a pas la même notion de la bricole, des petites choses, mais bon, c'est trop mignon. Alors, voici quelques petites bricoles pour tes bébés. Les plus petits vêtements sont pour celles que j'adore et que Madame Christine veut kidnapper. Oui, ben oui, oui, je vois de qui tu parles. J'espère que ceci te fera plaisir. Et aussi, j'ai pensé à ta ligne. Ah ben oui, je vois. Ma ligne. Plein de bisous de tendresse, Annick. Merci ma chérie, t'es un amour. Merci ma puce. Oui, voilà pour ma ligne, ouais, c'est... Ah, qu'est-ce que c'est? En plus, elle sait que j'adore le Milka. Donc, vous voyez, elle m'a envoyé du Milka. C'est à quoi? Oh, riz croustillant. Miam, 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 miam. Ah, elle franchement, elle est... Ah, bah, elle est adorable, hein. C'est quelqu'un elle, de... Elle te ferait pleurer, même. Elle est toute émue, elle crie. Voilà, fais voir, ma chérie. Regarde, je te laisse. Ouais. Elle s'est trompée de nom, mais bon, c'est pas grave. Car Sandrine m'a dit que vous avez une plus grande toddler. Après, vous pouvez échanger ou voir avec Sandrine si cela vous plaît pas. C'est mignon. Merci pour l'adoption de ce petit bonhomme. Je sais qu'il est entre de bonnes mains. Prenez bien soin de lui. Ça a été dans deux durs de m'en séparer. Voici quelques petites bricoles et un peu de gourmandise. Elle est trop mignonne. T'es mignonne, ma Ninette. Mais elle s'est trompée de nom. Elle est Gabrielle, ça va pas elle.
Oui, pourtant. C'est trop mignon. C'est quelqu'un de, une personne très délicate. C'est rare de rencontrer des gens comme Nini. Enfin voilà, c'est pour notre ligne, les filles. C'est, voilà. Ouais, voilà. Ouais, en fait, nos hommes qui sont rassemblés en bas, parce qu'ils sont tous les deux à la retraite, hein, y en a qui ont du bol, ont commencé à nous dire, ah, il y a un paquet qui vient de Nini. Ah, il va y avoir des chocolats. J'ai dit, oh, c'est pour nous les chocolats, là. C'est pas pour les hommes, hein. Ah, les chocolats, ils sont à nous, hein. Bon, bref. Bon, alors ça, qu'est-ce que c'est? Ah, ben ça, c'est... Ça fait partie du couffin de Christine. Regardez comme c'est mignon. C'est beau. C'est le petit oreiller. Il y a toute... je crois qu'il y a la parure. Comme ça, il me semble qu'elle avait envoyé une photo. Et ça, en fait, c'est... Tiens, ma chérie. Parce que ça, c'est à toi. Ouais. Je veux faire dodo. Elle veut faire dodo, cri-cri. Dodo. Mais non, fais la vidéo. Alors, voilà quelques bricoles. Le truc, il est énorme, mesdames. C'est quelques bricoles. Quoi. Dame Christine. Bon, ça, c'est pour toi. Ben, débrouille-toi. Tiens, je te donne le couteau. Oh, là, et c'est Noël, hein. Ah, ouais, ouais, c'est Noël. Hein. C'est Noël. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence par faire voir les tiens. Ah, hein. Tiens, un couteau. Attends, ouais, quelques bricoles. Ouais. Quelques bricoles, oui. Bricoles. Mon Dieu. Bon, attends. Figure-toi, Manini, que j'ai refait du rangement dans mon placard avec l'aide de Cricri, parce que je ne savais plus comment ranger toutes les affaires que tu m'as offertes, ma bichette. Et j'ai réussi. Seulement, là, il va y en avoir d'autres. Comment je vais faire, Annick? J'ai presque plus de place. Et attends, elle voulait m'envoyer un berceau. Ah, j'ai dit non, là, je peux pas le mettre parce que j'ai un super berceau que vous connaissez, qui est ancien, hein, ça fait au moins une dizaine d'années que je l'ai. Et ouais, là, je peux plus. Elle est adorable, mais je peux plus, quoi. Excusez-moi, je décoche. Couteau, propre. C'est bon, j'arrive. Il est trop beau, ton couffin. J'adore les couffins en osier. Tu vois, il est pas énorme. Il rentre sur l'étagère, là, du meuble que t'as. Au fait, il a débarrassé ton mari, le meuble. Il n'a rien débarrassé du tout. Oh l'autre, non mais il va débarrasser sa vitrée là, je vais aller le voir tout à l'heure, j'ai les chaussons, regarde, c'est beau. Regardez comme c'est joli. Ah, c'est trop mignon. Ça c'est pour Raphaël. C'est vachement mignon. J'en ai jamais vu des petites bottines comme ça. Oh c'est beau. Ça c'est pour ta grande. Ouais. Oh, elle est belle. Yeah. Mon Dieu, regardez ça. Il y a le bonnet avec. Bon voilà, c'est ça. Ah non, c'est pas le bonnet, c'est une culotte. Non mais regardez, donc ça a été fait à la main, ça, hein, je tiens à le préciser. Regardez-moi cette beauté. Enfin, moi je trouve ça magnifique. Après, cri-cri, j'en sais rien, mais moi je trouve ça très beau. C'est joli. Elle est belle, hein. Ouais. Ouais, voilà. Regardez, une petite culotte. C'est fait main, hein, c'est du fait main. Oh là là, c'est mignon. Ouh, je vais te les piquer. Ah ben non, elles rentrent pas là-dedans, Blue Moon. Eh non, tu peux pas, parce qu'elles font pas la même taille, Blue Moon et Chloé. Et oui, Sandrine. Il va falloir une autre caisse. Et c'est tout neuf, regarde. Oh, regarde comme c'est joli. C'est beau, regardez, une combi short. Je ne sais pas comment faire. Ça ne va pas trop grand. Je ne sais pas. Pour, bah, on regardera après. On va leur essayer, voir ce que ça donne. Ouais. Mais c'est tout neuf, comme la manique. Ça ne va pas, hein, quand même. Mais par contre, tu as vu, apparemment, on peut séparer le haut et le bas. Ouais, ouais. Si tu regardez ça comme c'est beau, combi short quoi, non mais truc de fou. Ah c'est ça magnifique. C'est bon pour mon petit garçon. Oh c'est mignon, c'est regarde avec le petit nounours. Regarde. Oh c'est trop chou. Ah, c'est il y a beau. Non c'est pas une poche mais il est mignon. Un petit pantalon. Oh c'est trop chou. Le bonnet. C'est beau. Oh qui va être beau. On dirait un lutin. Regardez un bonnet lutin. Petit bonnet de lutin. Oh, il va être trop beau Raphaël. Oh, c'est mignon avec le petit pantalon. Regardez-moi ça. Ah, ça, je kiffe le petit bonnet lutin. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est beau. Oh là là. Ah non, mais... Oh là là, t'as fait des folies. Elle a des super bons loups, hein. Ah ouais, regarde. Mais tu verrais comme elle habille bien ses bébés Ray-Ban. Avec, regardez le bac qui va avec. Beau. Regardez, avec les petits...
c'est mignon, avec les touches d'oreilles. Elle a des goûts, mais... Ah oui, elle a beaucoup de goûts. Terrible, hein. Encore un ensemble pour son petit bouchon. Pour Raphaël. Ça, regardez. C'est bon pour maintenant, tu vois. Tu peux le mettre maintenant, ça. Ouais. Période de maintenant, de printemps. Oh, c'est trop chou. Il est original, celui-là. C'est quelle marque, ça? Ah oui, j'arrive pas à le dire. Maroilles. Ah, je connais pas. Ça coûte une fortune. Ah ouais. Ah oui. Ah, c'est comme des Dior, comme des. Ah, bah, la marque me dit rien, moi. Moi, je connais pas. Donc, mais Nini, t'es une grande folle. Marais, c'est pas méchant. Hein. La marque Marais. Ça oui. Ça me dit quelque chose. Ah, c'est joli, hein. Waouh, regardez. C'est magnifique. Et elle dit qu'elle a envoyé très peu. Ouais, non, mais c'est rien, c'est des bricoles. Ah, c'est des bricoles. Oui, bien c'est sûr. Des bricoles. Bien sûr. Ah, elle est magnifique. Qu'est-ce que c'est joli. Waouh. Ça, ça doit être. Titre, ça. C'est pour Chloé, ouais. Ou pour. Ah oui, c'est un truc de fille, ça. C'est pour. Regardez-moi fille, ça, c'est comme c'est beau. C'est mignon. Oh là là, c'est H&M. Beau. C'est quelle taille? 68. 68, c'est du 3 mois, je ne sais plus. Dites-moi en commentaire, mesdames, 68. Je crois bien que c'est du 3 mois, mais je ne suis pas sûre. C'est joli, ça. Hein, avec les... Bah, moi et les fleurs. Hein. Alors ça, c'est pour Raphaël aussi. Ça, c'est trop mignon. C'est quoi comme marque? Jacadi. Non, mais je te dis, c'est un truc de fou, quoi. Que... Ça fait fille. Oh mon Dieu, fais voir. Hein? Non, c'est fille, ça. C'est fille, bah, ça. Vu la taille, oui. C'est pour. Ah, mais Chloé. C'est une robe, ça. Non, c'est une robe capuche. Ah, c'est joli, ça. C'est mignon. Oh, c'est. Regardez, une robe capuche. Je suis embêtée, là, quelque chose qui ne va pas. J'arrive pas bien à vous faire voir les habits. Attendez. Robe capuche. La petite capuche, regardez, c'est pas trop mignon, ça. Avec les. Ah, c'est Bibi, fais voir. Miniman, Newman, ouais, j'ai que de la marque. Oh la vache, c'est beau. Oh, c'est pour le titi. C'est mignon. C'est pour Raphaël. Ah, je vais m'éclater, moi. Oh là là. Ah, bon, il te reste de la place dans les bacs que tu as achetés, là. Nini, va falloir que je rachète un autre bac. Voilà. Faudrait essayer de redescendre à Gif. Hein, aller acheter des. Oh là là, c'est mignon, ça. Ah, oh, c'est des dinosaures. Mon Dieu, mais à l'époque, ça n'existait pas. Il y a 22 ans en arrière, quand mon fils est né, c'était un fou des dinosaures. Enfin, bref. Mais il y aurait eu ça, j'en aurais mis. Bon, pas quand il était bébé, hein, il ne savait pas encore. Mais il a toujours aimé les dinosaures. C'est un passionné, quoi. Il faudra pas qu'on mélange. Oh là là, qu'est-ce que c'est. Non, non, je t'ai tout mis là, toi. Ouais. Parce et moi, après, de toute façon, je vais t'envoyer tes affaires là-bas. Ouais, ouais. Et moi, je vais mettre les miennes là. Okay. C'est juste petit, le temps de présenter. Ouais. Okay, ça, c'est un petit bonnet. Oh, j'ai chaud. Il fait chaud ou... Ça, c'est un body. Un petit body. Ça, c'est pour Raphaël hein, aussi. Hein. C'est la taille de Raphaël, ma chérie. Ouais, c'est dû à moi, ça. Ah oui. Ouais. Ah, oui, je pense. Ouais. Je ne vois rien. Je ne sais pas, je ne vois pas. Je ne sais pas, il n'y a pas assez de temps. On ne voit pas très bien. Je n'ai pas une bonne lumière dans la chambre. Ça, c'est mignon. Il y a des petits ours et des lapins dessus. J'adore. Et des pandas. Il y a des pandas. Regardez. Bon, ça... Oui, voilà, je m'extasie devant les pandas parce qu'on n'en voit pas souvent sur les vêtements. C'est joli, les pandas. J'adore les pandas. Mais moi, j'ai tous les ours, les pandas, les lapins. Il n'y a que les serpents que j'aime pas. Bon, 0 mois, donc ça c'est pour son titou. Là en fait c'était le paquet pour Christine. Hein. Voilà. Pour Dame Christine. Pour Dame Christine. Oh, c'est mignon ça. Ça c'est pour Chloé. Ouais. Parce que c'est trop canon. C'est du 4-6 mois. Regardez comme c'est mignon. Oh là là, j'adore, c'est trop beau. Il va falloir que je me repère. Oh, je te jure. Bon, ils vont être contents, les garçons. Hein. Il y a mon mari, tout à l'heure, il a été chercher le colis parce que le facteur, vous comprenez, 7 kilos, c'est trop lourd pour lui. Ils sont graves, les facteurs, hein, quand même. Hein. Messieurs les facteurs, s'il y a des facteurs qui sont fans de Reborn, savez-vous que les femmes factrices, elles portent des 10 à 20 kilos, les paquets, et que vous, les hommes, vous n'êtes pas capables de soulever 7 kilos? Non, mais allô, quoi.
Excusez-moi, moi, c'est mon coup de gueule. Non, mais c'est... Voilà, faut pas pousser, quoi. Moi, tout à l'heure, je l'ai pris dans les bras comme ça, sans problème, sur l'épaule, ah oui, quoi. Et je suis pas un monstre. Bon, je suis carré, certes, mais je suis une femme, quoi. Ah, je vous jure. Bon, c'était mon petit coup de gueule, parce que je trouve ça aberrant qu'un homme... Ah, ben, c'est lourd, 7 kilos, vous pouvez... Il m'a pas l'idée, vous pouvez venir chercher votre colis. Non, mais l'autre, il a... j'hallucine. Mais qu'est-ce que c'est que ces hommes? Mais moi, pour le colis... C'est des papiers carton, les mecs, maintenant. À part mon mari et ton mari. Non, mais attendez, quoi. C'est joli, ça. Ça, c'est pour... Ben, Chloé, oui. Ah oui, vraiment. C'est rose. Bon, j'arrête de râler, parce qu'avec ma grande voix... Vous voyez, je peux avoir une voix très douce et je peux avoir une voix de ténor. Voilà, on m'a toujours dit d'aller chanter. Des petites chaussettes, mais donc, bon, à mon avis, c'est pour Chloé, je pense. Parce que un petit body pour notre petite Chloé. Fais voir. Bah oui, de toute façon, c'est rose. Donc, c'est rose. Par contre, celle-là, je sais pas. Ah, après, non, jaune, celle-là, rouge. C'est pour Raphaël. Après, tu peux mettre... Ouais. Regardez comme c'est mignon, il y a les oreilles. Regardez, il y a des oreilles. C'est mignon. Et puis ça, c'est pour la puce. C'est pour Chloé. La puce à Cricri et Gabriel. Raphaël, ça y est, elle m'a décontenu. Raphaël, le bébé, à Christine. Ben, tout ce que vous voyez là, c'est à Christine, en fait. Voilà. Petit pull. Oh là, il est mignon. Il est beau. C'est hein. Adorable. Ouais. Regardez le petit pull marin avec un petit nounours. Ça, c'est bien pour maintenant. Ouais, c'est des matières. Ouais, c'est des matières. C'est quoi comme. Il y a des marques, je ne connais pas. Je sais pas. Enfin bref, on voit que c'est de la qualité, quoi. C'est super beau. Hein. Oh là là, qui va être mignon ton titi. Ah ouais. Et celui-là, par contre, je ne sais pas s'il va pas être un peu haut. 62. Bah, tu regardes ce qui est trop grand. De toute façon, bah, j'essayerai. Je ferai pareil, là, il faut que je fasse un tri. De toute façon, t'as vu la dernière fois que j'avais acheté tous les habits? Ah oui, je vous ai pas dit, mesdames. Vous savez, j'avais fait un haul où j'avais acheté des vêtements sur Vinted pour mes jumeaux. J'ai pris du 1 mois. Normalement, les keychains, c'est du 1 mois. Eh ben, il n'y avait rien qui leur allait. Parce que messieurs, là, les deux jumeaux, eh ben, ils font du 3 mois. Alors du coup, ben, j'ai tout donné à ma Cricri pour son petit Raphaël. Parce que ça va pas au bien. C'est quoi ça? C'est une écharpe, ma chérie. C'est une écharpe, ah oui, tu vois, j'avais pas... Oh, c'est trop chou. Regardez-moi ça, c'est une écharpe pour sa petite Chloé qui fait du 3-6 mois, ça dépend ce que c'est comme vêtement. Regardez. Et en fait, vous faites ça, là, vous savez, vous mettez dans le trou, hop. Connaissez pas? Non. C'est des petites écharpes comme ça, c'est trop mignon. Ah oui. Mais sur le côté, hop. Ah, ouais. Puis la petite, elle a des. Ah, tu vois, comme quoi j'en apprends encore. C'est trop voilà. Chou. Là, il y a des petits pantalons. Ça, et là, c'est pour... Superman. C'est là qu'est Superman. C'est mignon. Ah ben oui, là, tu vois la taille. Au fait, tu lui as essayé les ensembles, les pantalons que je t'ai donnés. J'ai pas tout essayé encore. Non, pour voir juste si la taille c'était bon. Ouais, mais juste un. De toute façon, les autres, ils sont tous dans le même style. C'est bon, je pense. Kaboum! Petit bonnet, petit lapin. C'est joli. Là, il y a un petit pantalon aussi. Un petit bonnet. Ah, c'est chou. Petit pantalon, tout mimi. J'aime bien ces formes de pantalon. Ouais. C'est trop mignon. J'aime bien pour les petits mecs. C'est original, quoi. Ça change des pantalons droits. Un petit bonnet. Un petit body. Oh, ils sont mignons! Ils sont tout petits! Je craque. C'est trop chou. Là, vous avez un piou-piou. C'est marqué. Le petit poussin de papa. Ah ben voilà. Hein, Lionel, il peut pas dire qu'il est pas papa. Hein. C'est marqué sur le machin. Hein. Ah ben. Oui, Lionel, c'est le mari à Christine. Voilà, je vous précise. Ça, c'est pour Chloé. Ah, j'aime bien celui-là. Il fait très années 60s. J'aime bien avec les petits ronds comme ça bleu. Alors là, il y a marqué quoi? Little Daydreamer. Oh là, j'ai pris l'accent et tout, là, j'ai fait fort. Mon fils serait fier de moi. Enfin, je ne sais pas si j'ai vraiment bien dit, mais ça avait l'air, quoi. Comment j'ai dit? Little
Daydreamer. Oh, Dreamer. Oh, Dreamer. Oh, Milady. Nous sommes des Milady. Oh, je vous jure. On se la pète avec Christine. Hein. Faut bien qu'on se la pète un petit peu. On rigole bien. Ça, c'est le haut qui va avec. Et le haut. Oh, c'est mignon. Regardez le petit ensemble. C'est pas beau, ça. Coucou. Porte-bonheur. Oh, j'adore. Des beaux trucs. Hein. Coucou. Où te caches-tu? Ça, c'est pour Chloé. Ouais. Regardez pour Chloé. Ça, tu peux lui mettre hein, aussi. T'as le pantalon avec. C'est assez léger, hein. Ah, mais ça lui va bien l'autre jour. Là, enfin, moi, celui, c'est du 3 noir. Ouais, ouais. Ah, c'est trop chaud. Voilà, moi, j'arrive à la fin. Voilà ce que sont des bricoles pour Nini. Des bricoles, hein. Des bricoles, du maroilles, du jacadis, du... C'est des bricoles. C'est des bricoles. Ouais. C'est, bien sûr. C'est très joli, ma Nini. En tout cas, je te remercie bien, Nini. Ouais, voilà. C'est super joli. Bon, alors, je te repasse ton bien. Ouais, je vais essayer de remettre... T'as vu comme je cosaille bien aujourd'hui. Franchement, c'est... Milady, je vous pas de Montre-le. Regardez le tas. Mais et elle dit qu'il n'y a pas grand chose. Et il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. Non, il n'y a pas grand chose. Bon, il va falloir une autre caisse. Alors maintenant, je vais ouvrir mon paquet. Ah, bon, enfin, normalement, oui. Mais j'espère. Bah, oui, toi, c'était marqué. Donc je suppose que celui-là, c'est à moi. Je sais pas. Bah oui, dame Christine. Oui. Ah, il y a le petit drap dessous. C'est pas le truc avec les nounours. Ça, elle t'a envoyé une ours parce qu'elle a su que tu les aimais. Ah, trop classe. Ah, c'est mignon, hein. Chouette. Elle lui a envoyé trop le... Parce que quand elle lui a fait voir le... Quand je vais y arriver. 1, 2, 3, on parle. On bafouille pas. Quand j'ai envoyé la photo, parce qu'elle voulait un couffin cri-cri, donc c'est moi qui lui ai offert le couffin. Et du coup, il est très présenté avec ça. Et Christine, elle m'a dit, oh là là, j'adore le petit truc. Du coup, elle lui a envoyé quand même et elle lui a renvoyé l'autre coussin. Voilà. Oh, c'est trop chou. Ah ouais. C'est trop mignon. C'est trop beau. Ça, à la limite, tu peux le poser là avec le truc. Ah ouais. Voilà, quoi. Alors ça, en fait, comment ça s'appelle ça déjà? C'est des alaises, ça, non? Non. Non, ça, c'est non, ça, drap. Ça. Non, non, ça, c'est le drap. Ça, c'est une couverture. Elle a mis une alaise. Elle a mis une alaise. C'est mignon. Elle est trop classe. Oui, ben, s'il s'échappe, le bébé, que la truc, elle absorbe pas bien, Christine. Ah, ben oui, mais bon. Gros pipi. Bon. Ah, bon. Alors, on va ouvrir les bricoles. Ah, ben, Nini, on se moque de toi, mais c'est pas méchant. Non, c'est au pas contraire, méchant. C'est... Dis-moi, tu aurais le couteau, là, parce que là j'ai pété un plomb. Ouais, le truc. Bah, attends, le couteau, il est où? Attends, il est là. Je sais même pas où il est. Fais gaffe de pas te blesser avec, sérieux, là, quand même. Non, fais mais attention. Fais gaffe au chocolat avec les fringues. Oui, non, mais... Bon, on va les mettre là. Je vais les remettre là-dedans. Alors, attends, j'ai le couteau. J'ai pas vu le couteau, moi. Ah. Ouais. Bah alors, ma cri-cri, où t'as mis le couteau? Ah, si, j'y arrive, c'est bon. Je ne sais pas. Ah, il y a Choyo qui aboie. Il y a un étranger devant la maison. J'ai le pitbull qui aboie en bas. Oui, alors Choyo était là tout à l'heure, puis là, il est redescendu avec son pote Lucky, le chien à Christine. Voilà. Alors, attends. Est-ce que tu t'en sors? Moi, il a patience avec les nœuds. Alors, c'est rigolo, j'ai de la patience avec les enfants, avec... Mais les nœuds. Mais tout ce qui est comme ça, là, ça a le don de m'énerver. Ma Nini, j'arrive pas à ouvrir le colis. Je sais c'est quoi ce bordel. Oh, pétard. Attends, tu crois que j'arrive à sortir les habits comme ça? Je ne sais point. Est-ce que tu t'en sors? Nini, il faut pas faire ça parce que moi, tu sais, j'ai un QI de poisson rouge. Hein. Alors bon, démêler les trucs, tout ça. Attends, voilà. Bah, c'est bon, je peux sortir de là. Alors, voici le premier. Oh putain, c'est joli. Ah, c'est joli. Oh, mon Dieu, qu'il est beau. C'est tout à fait le style de truc que j'adore. Hein. Vous me connaissez. Ça brille, regardez, ça brille. Je ne sais pas si on voit sur la caméra. Ah si, on dirait, ouais. Avec la belle, regardez comme c'est mignon. Ça fait le focus? Ouais.
Ouais, comme ça ils voient. C'est trop beau. Oh là là. Non, c'est trop beau. Sophia. Je connais pas le. Mais c'est de la marque, ça se voit, quoi. C'est beau. C'est de la belle qualité, quoi. Qu'est-ce qu'il a? Il est devenu bleu. Donc ici là, mon téléphone. Ouh, qu'est-ce que tu me fais là? Ah, je sais pas ce qu'il a eu. C'est il la a... lumière qui a, ouais. Il a bugué en lumière, désolé, je sais pas. Qu'est-ce qu'il a? Oh, c'est beau ça! Ah, regardez! Non, mais je suis dingue, hein. Vous voyez que je suis dingue, hein, quand c'est même. C'est Mimi pour l'été. Attendez, je vais un peu écarter. Tu devrais peut-être le surélever un peu, non? Je sais pas. Un tout petit peu. Voilà. Regardez, le haut, comme c'est Mimi. Un petit canard. C'est mignon. Je craque. Bon, moi, je fais mon rangement. Bon, quoi qu'il en soit, mes bébés ne sont pas tout nus. Ça, c'est sûr. Regardez ça comme c'est beau. Voilà, c'est beau avec la dentelle. Hein. Oh, j'adore. J'adore ma crique. Elle a des bons goûts, hein. Franchement. Non, c'est vrai qu'elle a bon goût. Ah ouais, hein. Non, je te dis, ces bébés, les habits. C'est ravissant, quoi. Elle fait des. Et puis, elle a un don de colorimétrie. La colorimétrie, elle assure. Alors que moi, la colorimétrie, c'est mon point noir, quoi. Regarde, quand j'habille les. Oh là là, c'est joli. Regardez la petite robe. Elle est belle. Petite robe, comme les petites filles de l'époque, là. Oh, c'est chou. J'ai dit, c'est beau. Qu'est-ce que c'est qu'il y a dessus? Ah, bah, c'est des fleurs, forcément. Ah ouais, elle est trop belle. Elle est rose pâle. Je vais essayer de pas trop approcher parce qu'apparemment, quand j'essaye de faire comme... T'as la luminosité qui s'en va. Ouais. Donc, ça faut va pas. Mais bon, en même temps, il faut qu'ils voient, quoi, les membres. Oh, mais ils verront. Ouais. Que... Alors, oh là 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 là. Tu es... Oh, ça, c'est pour Lily Rose. Ah oui. Ben voilà, Lily Rose, elle va être belle avec ça. Oh, pétard madone, comme c'est mignon. Regardez. Ah, t'as bien l'accent du midi, hein? Oh, pétard, ah, madone. Pétard madone, c'est l'accent du midi. Eh, ça fait longtemps que je vis dans le midi maintenant. Ouais, ouais. J'aime bien l'accent du midi. Moi. Regarde ça aussi, regarde ça. Ah oui, c'est beau. Pour la Lily Rose. Ouais, c'est trop beau. Oh là là, c'est beau. Une robe, vous savez, un peu comme les... qu'est-ce que c'est comme, c'est du coton... moi, elle appelait ça, maman. Maman. Du coton cardé. Tu sais, les vrais cotons. Ah, oui, oui. Comme les draps de l'époque. Vous savez qu'ils avaient les... C'est joli, regarde. Les anciens, c'est brodé. C'est ancien, comme ça, ça fait... Ah, c'est peu... brodé, hein. Ah oui, c'est brodé, ça. Ça, c'est du... C'est comme un style de point de croix, je sais même pas. Si, c'est brodé. C'est brodé. Ah, c'est trop beau, regardez. C'est trop, trop beau. Regardez comme c'est mignon. C'est tout brodé, quoi. Regardez derrière. Brodé. Waouh. J'adore, ma Nini. C'est trop beau, ma chérie. Oh, j'ai la même que... Enfin, non, pas tout à fait, mais ça ressemble. Regarde, j'ai la même que toi. Mais c'est la même. Ben oui. En plus petit, non? Ah ben voilà, nous sommes les sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. La 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 la. Ah, c'est trop beau, ma Nini, t'es un amour. On a exactement le même ensemble. Ouais. C'est trop beau. Il est magnifique, cet ensemble. Ouais, très, très beau. Ah, elle me connaît, la Nini. Oh là là. Oh, mon Dieu, c'est beau. Oh, putain. Mais où est-ce qu'elle trouve des merveilles, pareil des... Même en magasin, t'as pas des merveilles comme ça. Ah non, regardez ça. Regardez les boutons. Alors, il est blanc et beige là-haut. Hein. Mais bon, la caméra, je sais pas, elle fait des trucs bizarroïdes là. C'est parce que tu rapproches peut-être trop ton. Et là, en fait, c'est tout brillant. Je sais pas si vous allez voir. Ah oui. Tout brillant. Oh, c'est magnifique. C'est bon, ma Nini. Mon Dieu. Putain, regarde, regarde, j'ai tout ce que j'ai déjà enlevé et tout ce qui reste. Non. Non, si. Et c'est très peu. Hein. Oh, Disney Baby. Oh, c'est mignon. Regarde, Pépé. Ah, je... alors là. C'est mignon. Ah, c'est trop, trop beau.
Alors ça, à mon avis, ma Nini, je vois que c'est du 3-6 mois. Alors ça peut aller éventuellement, mais non, celui-là, je vais le donner pour Chloé. Parce que là, c'est la taille de Chloé. Là, je n'ai pas ces tailles-là. En 3 mois, j'ai dans les garçons. 6 mois, j'ai dans les garçons. Et t'as pas en fille, 3 mois? Peut-être à... Si, j'ai la grande, là, mais... Faut essayer. Je sais pas, ouais, ben j'essaierai. J'essaierai. C'est trop chou. Enfin, je trouve des petites... les chaussures, on va arrêter. Sandy, t'en as plein. Là. Donc, c'est bon. Tu vas trouver une paire qui va avec. Tu t'achètes pas encore des chaussures. J'ai aucune de chaussures. Bah, vraiment, je les ai jamais achetées. On les a envoyées. Tiens, en parlant de chaussures. Oh, tiens. En parlant de chaussures. Une paire de chaussures. Bon, ben, j'ai rien dit. Il y en a plein. Hein. Pas la peine d'en acheter. Oula. Bon, alors, il est où, l'autre? Non, mais... Regardez comme c'est mignon. Regarde. Ah, vous savez, ça me rappelle les petites chaussures qu'on avait quand on était... Enfin, quand moi, j'ai 55 ans à l'heure actuelle. Quel âge tu as, toi, Annie? 53. Bon, elle n'est pas loin de moi. Donc, c'est la même génération, on va dire. Hein, même si tu es plus jeune. Voilà. C'est du 14-15. Écoutez, je me rappelle que quand j'étais petite, sur les photos, j'en avais, mais en blanc. Comme ça, regardez. C'est très connu, ce genre de chaussures. C'est trop mignon. Je kiffe. Ah bah voilà, non, j'ai pas besoin. Tu vois, je parle de chaussures. Elle lit dans mes pensées, oui, elle encore. Ah, carrément, elle a fait un gros colis pour Lily Rose dedans. Bon, elle n'a pas été tenue, quoi, Lily Rose. Regardez, ça, petit lapin. Petit lapin ne vient pas à Paris. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette chanson. Oui, alors c'est vieux comme Mathieu Zalem, hein, la chanson que je chante. Hein. Il y a trop de gens et puis il y a trop de bruit. Elle est morte de rire, Christine. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Chante mal. Ben, il faut qu'il pleuve, hein, donc j'en profite, je chante. Je chante. Il me faudra notre cornet. Non, mais notre cornet, parce qu'il est en train de craquer. C'est même pas la peine, je range, mais il craque. Ouais, ben je te donnerai un autre. Pourquoi vous appelez ça des cornets? Je sais pas, c'est comme ça. Ah, ben il y en a deux. Ah, c'est pour les jumeaux. Oh, je sais pas s'ils rentrent dedans, hein, Nini. Ils sont petits, hein. Bon, on va laisser ça là, parce que... C'est un truc pour les jumeaux, regarde. Ça sert plus à rien, ça craquait. C'est du combien, en fait? Un autre cornet. Vous savez comment elle appelle les sacs dans sa région? T'es de Metz, c'est ouais. Ça de Metz. Ils appellent les sacs, les cabas, les machins, ils appellent ça des cornets. Ouais, moi je dis ça. La dernière fois, elle me dit, ah, oh, faut pas que j'oublie mon cornet. Ouais. Je la regarde, je dis, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est cornet? C'est quoi un cornet? Bah, c'est quoi? C'est trop ouais. Mignon, ça. Alors, les choses sur, excusez-moi, j'ai des allergies. Ah, ça va, ma grande. Ça va, ouais. Ça lui va, ma pépette. Oh, elles sont trop mignonnes, vernies. Quand j'étais pitchounette, je sais pas, je me rappelle à 6 ans, par là. Et je m'en souviens, vous vous rendez compte, j'ai 55 ans, je me souviens quand ma mère m'a acheté les mêmes à la taille, parce qu'il y en avait pour les plus grandes petites filles, vernis. J'étais une fadoille des chaussures comme ça, ballerines, en vernis. Ça n'a pas trop changé, j'aime encore, mais j'en trouve plus à ma taille maintenant. C'est pour les petites filles, Sandrine, c'est pas pour les grandes. Non, c'est pour les bébés. Ouais, ça lui va, ouais, j'ai pas de chaussures pour... C'est pour ça, elle m'a dit, j'ai des chaussures. Elle m'a dit, je pense que... Ah ouais, putain. Mais là, il y a des chaussures. Là, wow. Là on peut dire qu'il y en a, des chaussures. Ça va, quand je dis... Aussi. Tu es en même temps. C'est trop mignon, regardez. C'est magnifique. Ah, j'adore. Elle a dit... Bon. Ça, c'est tout neuf, en plus. Ah, c'est pas... C'est quoi? C'est même pas abîmé. C'est du André. Ah, carrément. C'est la marque André. Ah, bien sûr. Quand même, hein, c'est du pur. Ouais. Je me gâte trop, ma chérie. Ah, attendez, je vais dessous, là. C'est quoi, ça? Petit lapin. Bébé à bord. Ah, oh, c'est pour mettre sur la voiture. Ah, oui. Non, si je mets ça sur la voiture, mon mari m'emmène chez les fous. Et oui, comme j'ai dit que j'allais aller promener en bas, là.
Avec la poussette, je vais aller faire les... Non, mais je déconne pas. mais il faut que je lave le landau. Je ne l'ai pas encore lavé, mesdames, le landau. Ouais, bah, parce que la nana... ça sur le landau. Hein. Alors, entre nous, soit dit, c'est pas pour critiquer la dame qui m'a vendu le landau, mais il est dégueulasse. Je ne sais pas comment elle a pu laisser son bébé dans un landau dégueulasse comme c'est ça. Pas sur le... Non, pas du tout. Non, j'ai tout nettoyé. Non, c'est un vrai. Ah oui, d'accord. Il est où? Il est dans le placard. Là, ah, d'accord. Mais là, j'ai acheté une brosse, machin, parce qu'il est vraiment dégoûtant. Bon, ça, c'est pour Miss Lily Rose. Vous savez, la petite, là. Alors, voyons pour Lily Rose. Il est mignon. Ça fait des gros lots, j'adore ça. Ah oui. Vous voulez des vidéos ASMR, mesdames? Parce que j'en ai pas fait depuis un moment. Qu'est-ce que c'est ce bouton là? Une espèce de rond, je sais pas ce que c'est. Bon, j'espère qu'on la verra pas là. T'as vu? Je sais pas. De l'ASMR, c'était sympa quand même. C'est vachement mieux ce son. Que ce son! Pas les gens, ils aiment bien entendre parler. Ouais, c'est vrai qu'ils aiment bien m'entendre parler. Oh, c'est beau. Oh, mon Dieu, qu'elle va être belle, Lily Rose, là-dedans, je craque. Oh, pétard. C'est magnifique. Elle a des super bons goûts. Hein. Mais c'est quelle marque, ça? Sophia, je connais pas. Ouais. C'est pas des trucs italiens. C'est pas des marques italiennes. Non, c'est Sophia ou Sophia. J'en sais rien. Non. Je sais pas, j'ai des problèmes avec mes lunettes en ce moment, j'y vois pas très bien. Je me demande si ma vue, elle a pas bougé. Sophia. Pour Lily Rose, c'est mignon. Sophia. Ouais. Ah, cette Lily Rose, hein. Sophia. Regardez-moi ça, que c'est pas mignon ça, regardez. Sophia. C'est un petit. C'est quoi qu'il y a en bas? T'as un petit poisson rouge? Ça, c'est. En souvenir de mon QI de poisson rouge. Si mon fils, il m'entendait dire ça, alors là, il me... Parce qu'il me dit, ouais, tu dis toujours que t'es bête, et c'est pas vrai, t'es vachement balèze en philo, t'es vachement balèze en psychologie, en français, en ci, en là. Ouais, voilà. Ouais, quand c'est mon fils qui le dit, et que mon fils, il a un QI de malade, vous voyez. Alors je le crois, c'est mon fils. Bon après ça peut être l'amour qui parle aussi. Ah ouais, il aime pas quand je me dévalorise. Mais il faut pas te dévaloriser. T'as pas à te dévaloriser. Il me dit arrête de dire ça. Il me dit c'est pas vrai. T'es quelqu'un d'hyper. Il me dit t'es loin d'être bête, maman. Il me dit arrête de dire ça. Il dit pour Lily Rose. C'est trop mignon. Ouais, en plus j'en ai pas Nini. Hein. Des toutes petites pour Lily Rose, c'est compliqué à trouver. Hein. Je sais pas d'ailleurs où on peut trouver des tout petits comme ça. Il faudrait regarder des fois à Primark ou des trucs comme ça. Parce ouais, Primark, tu crois qu'ils en ont des tout petits petits? Peut-être. Hein. Vraiment naissance. Enfin, après, je peux pas te confirmer exactement, hein, mais il faudrait regarder. Bon, ben, il y en a encore. Il y en a encore. Et quand il y en a plus. Attends, c'est beau ça. Oh, alors là, je kiffe. J'avais mon frère sur une photo qui avait exactement le même style. Je me demande même si c'était pas... Bah non, parce que je pense que c'était fait à la main, ça. Je sais pas. Ah non, c'est une marque, donc c'est pas fait à la main. C'est pour garçons, ça. Ouais. D'accord. 3-6 mois, kiwi, je connais pas. Tu connais, ça, comme marque? Oh là là, j'adore. Il tarde d'être en été, là, pour... Mais là, il va falloir que je les change tous les jours, hein, à la limite, je vous fais des... C'est kiwi, ça c'est... On dirait une tête de lapin, le truc, au milieu. Mais ouais, je connais pas la marque. 3-6 mois. Ouais. Qu'est-ce que c'est mignon, ça, non? Je kiffe le pyjama. Je sais pas. C'est quoi? Ah oui, c'est un petit... D'accord, ok. Tiens. C'est un petit bloomer, on appelle ça, non? C'est pas un bloomer, ça? Aidez-moi! Mes copines! Mes membres, s'il vous plaît! Ou mes copains, là. Dites-moi comment mes ça copains, s'appelle. Mes copines. Voilà, ah. Dites-moi comment ça s'appelle. Ça, je m'en rappelle plus. C'est comme ça, et puis c'est... Regardez. C'est fermé là et ça fait shorty un peu. C'est bien des bloomers, ça. Ou une salopette bloomer. Ou... Je sais pas comment ils appelaient ça à l'époque. Mais ça, c'est un truc d'époque, hein, ça se voit. Enfin, disons la forme. Voilà, le design.
Oh, je parle bien le design. Oh là, je vous sors des mots savants aujourd'hui. Ah, Dame Sandrine. Oh, bah dis donc. Dame Sandrine. La prochaine fois, on s'habille en époque. Regardez comme c'est mignon. Ah ouais, ouais, avec ses grandes robes, le les grand grandes chapeau, robes, les plumes. Les grands chapeaux, le machin. Alors, les plumes, j'ai, hein, regardez, j'ai les plumes. Sur la tête, comme ça. C'est moi le lapin, le petit lapin. Je vous jure, je bois pas. Hein. Je suis quelqu'un qui ne boit pas d'alcool. Donc voilà. Oh non, on aime bien rigoler. C'est juste pour vous faire rire un peu, quoi. Voilà. Ça, si vous n'avez pas le moral, eh ben, on espère qu'on vous donne un peu le moral. Voilà. Moi, et cri-cri. Voilà. Mon Dieu, où elle va chercher tout ça? Qu'est-ce que c'est mignon. Oh. Regardez, petit pyjama. C'est trop, trop beau. Regarde, j'essaye de... Faire le focus. Je sais pas s'il fait focus, en fait, je te dis. Je pense que oui, mais vu que je sais pas m'en servir, mon fils, il me dirait, eh ben, t'as qu'à regarder la notice, maman. Eh ouais, mais la notice, mon fils, elle fait au moins 400 pages. Alors, voilà, quoi. Les gamins, ils sont cool, vous savez, enfin, les jeunes. Pour eux, un smartphone, voilà. Ben seulement, ils oublient qu'on leur a appris. Qui c'est qui leur a appris à marcher? C'est les mamans. Qui c'est qui leur a appris à manger? C'est les mamans. Et maintenant, vous leur demandez des conseils pour un smartphone. Ils vous disent, ah ben, t'as qu'à regarder la notice. Voilà. 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 Non, parce que mon fils, il aime pas quand c'est facile. Il aime pas. Il veut que je cherche par moi-même. Ouais. Alors, j'ai tellement gonflé avec ça quand il était jeune. Du coup, il me renvoie l'appareil. Ah, je vous jure, les enfants. Ça, c'est un beau petit ensemble. C'est mignon. C'est trop mignon. Regardez à l'intérieur, c'est quoi? Prénatal. Ah, oui. Encore de la marque. Encore de la marque. Regardez l'intérieur, comme c'est joli. J'adore ce genre de motif. Ah, c'est beau. Hein. Je ne savais pas que Prénatal, il faisait des trucs comme ça, parce que je le vois beaucoup sur la marque Sergent Major. Mais Prénatal, non, j'ai jamais trop regardé. C'est magnifique. Hein. Ouais, c'est beau. Putain, les belles, la qualité. Bon, quand il n'y en a plus un encore. Oh, c'est mignon, regarde les colons. Oh, c'est pour ma pépette. C'est pour la grande, regardez, 18-24 mois. Des petits colons, demi-saison. C'est mignon. J'ai vu éclater, là. Je vais la changer après ma grande. Voilà, hop. Des petits chaussettes. Des chaussettes. Ça irait à Lily Rose, hein. Ça va à Lily Rose. Chaussettes. À ma Lily Rose. Alors. C'est mignon, Baby Tex. Regardez, il y a un petit éléphant. Voilà. Et voilà. Et le petit bonnet rose. Ouais, c'est la taille de Lily Rose. Et des petites chaussettes. Voilà. Oh, c'est trop chou. Et je crois que c'est bon. Donc voilà, il n'y a pas grand chose, hein, comme vous pouvez voir. On fait comme ça maintenant. Voilà. Yes, yes. On fait comme ça. Yes, c'est sympa ces pochons, là, par contre. Ouais. Ça, c'est bien. C'est des trucs que je garde d'ailleurs. Ça, je mets des trucs dedans, tu vois. C'est de la feutrine. Pardon, excuse-moi. Ouais, alors, c'est de la feutrine. Donc là, vous avez. Ouais. Voilà, le berceau à Mister. Ah, il n'y a pas les trucs, les trous. À Dame Christine. De Dame Christine. Pour Raphaël. Oh, regardez. Voilà. Attends, je vous montre le. Alors, regardez comme il est beau. Il est magnifique. Faut tout enlever. Faut tout enlever. Non, regardez. Ah ouais, c'est de l'osier. Hein. Oh. Ah bah c'est un vrai couffin. C'est, hein, c'est un véritable couffin de bébé, quoi. Ah ouais. Ah, ça c'est super joli pour faire des photos, tout ça, avec ton bébé. C'est super joli. Bon, il va falloir que ton gars, là, ton mari, hein, il débarrasse le truc, qu'on puisse mettre, parce que, voilà, il va pas dormir sans arrêt, je sais pas où, le bébé, hein. Bon. Ouais. Oh, les mecs, ils foutent du bordel partout, puis nous, on peut pas mettre le bébé. C'est quoi, ce bordel? Si, je te disais ce qu'il m'a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit, ouais, t'es en train de me virer de la maison, il me dit, je vais me chercher un studio. Sérieux? Je te jure. Oh, mesdames, est-ce que vos maris vous disent la même chose?
Ben, c'est vrai qu'on envahit un peu le lait. Ça, c'est pas moi. Bah, et là, c'est pas moi. Ouais, hein, c'est doucement, hein. La chambre, elle se sent, elle envahit tout doucement. Mais non, parce que, oui, entre Nini qui lui donne des habits, Christine qui en a acheté aussi, forcément. Plus moi qui lui en ai donné. Forcément. Plus Nini, plus... J'ai racheté des caisses. Il va falloir que j'achète une caisse. Pour mettre des habits. Pour mettre des habits. Super. Bon, enfin bref, voilà quoi. Bon, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on vous a bien fait rigoler. Ouais, moi aussi, j'espère. On a passé un bon moment. C'est vrai. On a passé un bon moment. Et puis, on vous fait des gros bisous. Et je reviendrai, là, dans très, très peu de temps, là, avec une vidéo avec un de mes reborn. Une vidéo calme. Zen. Après la tempête, le calme. Normalement, on dit après le calme, la tempête. Mais là, c'est le contraire. Après la tempête, le calme. Voilà, donc on vous fera une vidéo. Je parlerai un peu, si vous voulez. Mais c'est vrai que vous aimez bien quand... Mais bon, voilà. Voilà. Bon, ben, on vous fait des gros bisous. Manini, quand tu regardes cette vidéo, vraiment, merci du fond du cœur. Merci de tout cœur. Hein. C'est magnifique. Comme je dis, t'es notre maman Noël. Mmh. C'est incroyable. C'est ça. Et pourtant, moi, elle ne me connaît pas encore. Et toi, elle ne te connaît elle pas. Elle ne me connaît pas. Mmh. C'est incroyable. Mais bon, comme elle sait qu'on est très amis, que je lui ai parlé de toi aussi. Voilà. Ah, j'ai dit des méchancetés, évidemment. Hein. Ah, Christine. Ah, bon, non. Mais non, ma chérie. Ouais. Non, j'ai dit la vérité. Non, ma cri-cri, elle est adorable. Voilà. Donc, on te remercie du fond du cœur, hein, Manini. Et bon, j'attends que tu aies emménagé dans ta nouvelle maison. Tu me donneras ton adresse parce que moi, j'ai un colis aussi pour toi. Et je ne t'en dirai pas plus. Tu verras. Hein. Toi aussi, ça va être Noël. Surprise. Hein? Est-ce que tu veux du chocolat? Tu me diras en privé. Bah, tout à l'heure, je viendrai te parler en privé si tu es un peu tranquille. Parce que là, tu es en plein déménagement, je sais. Donc, c'est un peu chaud pour elle. Ouais. Bah on verra toutes les deux, voilà. En tout cas, je tiens à remercier aussi tous mes membres, tous les gens qui nous laissent des commentaires. Messages. C'est vachement mignon, quoi. Ça fait toujours du bien, même si c'est juste un coucou, bisous. Non, ça fait très, voilà, très plaisir. Ça fait vachement plaisir, et surtout que vous regardiez les vidéos, ce qui est quand même l'essentiel, et qu'elles vous plaisent. Voilà. Et puis si vous avez des idées de vidéos que vous avez envie de me transmettre, allez-y, parce que c'est vrai que moi ça fait des années que je fais des vidéos, donc je sais plus trop. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir, voilà, de quoi vous avez envie sur ma chaîne, qu'est-ce que vous voulez voir, qu'est-ce que vous voulez que je vous présente, hein. Qu'est-ce que vous souhaiteriez. Voilà, je trouvais pas le mot. Merci, voilà. Vous souhaiteriez. Tu sais, tu peux parler aussi. Hein. Je parle. Bon, c'est bien, ma chérie. Je suis pas habituée, moi, encore. Hein. Ouais, ça va venir. Vous allez voir, après, elle va jacter encore plus que moi. Parce que quand on la connaît, là, elle fait la timide, vous savez. Ah ouais, je suis. Mais après, quand elle est bien, à l'aise, elle parle comme moi. Voilà. Bah, allez, on vous embrasse très fort. On vous remercie d'être tous et toutes là. Et à bientôt. Gros bisous. Au revoir. Bisous.